Bonjour, c'est Grifax. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie. On fait un brisage PA sur un anorifique. Alors, pour ceux qui ont suivi récemment mes petites vidéos, mes achats et compagnie, en fait, hier, j'ai acheté un bouclier du Stalak, Exo-PA, qui va donc sur mon Oniripsa. Et jusqu'à maintenant, mon Exo-PA était sur cet anorifique, mais c'était temporaire parce que, évidemment, c'est pas intéressant d'avoir un Exo-PA sur un item qui n'est pas perf ou near-perf. Donc là, bah, c'est de la merde. Donc maintenant que j'ai mon Exo-PA Stalak, je vais pouvoir évidemment faire le brisage PA ici et trans derrière si on arrive à un jet qui est satisfaisant. Le jet de départ est plutôt ok, pas ouf. Bon, la vita est très moche pour le laisser en Exo-PA comme tel, mais avec un peu de chance, elle va baisser un peu, on va pouvoir faire un truc trop bien. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par une passage, je pense. Là, c'est vraiment mon item, je vais y aller avec mes méthodes en mode let's go. Et évidemment, les rageux m'insulteront si le brisage se passe pas bien, mais on va tenter des trucs. Je vais commencer par Passa. Ça fait tomber le PA. Bon, j'aurais aimé pouvoir. En fait, mon espoir, c'était d'avoir la Passa qui passe, et après d'essayer de la faire tomber à 37, et ensuite de spam les runes soins quand elle est à 37, pour espérer évidemment avoir le perf sagesse. Bon, bah, on n'aura déjà pas du perf, donc ça fait un peu de la peine, mais bah, écoutez, c'est comme ça. Donc on a 100, on a 0,5 techniquement, avec les initiatives, on va les compter, mais bon, c'est un peu osef. Moins 9. On a 91,5 depuis. J'ai 37 de vita à dégager. En vrai. On va ravi. Moins 20. Le chat me dit 101 passe 100,5. Pourquoi? C'était 5 inis, hein. Ne commencez pas à me perturber, c'est déjà 1. Hein, bon, voilà. Donc, j'ai 37 à dégager. Si j'avais. Bon, à la rune pod, je peux faire du moins 13. Donc, je peux faire un moins 26. Je peux faire. Si j'en fais une à moins 13, il faut que j'ai 24 qui dégage, et si j'en fais une à 26, il faut que j'ai 11 qui dégage. J'ai plus de chances de dégager 11. Donc on va y aller à l'ini, tiens. Enfin à la J, pardon. Il me faudrait du moins 6. Ok, j'ai un moins 6, c'est très cool. Il me faudrait vraiment un deuxième moins 6. Non, il me faut un moins. En fait, non, c'est ok. Maintenant que j'en suis là, s'il me fallait moins 11. Si j'ai moins 5, je fais deux potes, j'ai le perf vita. Et si j'ai moins 6, je tente un dommage et je peux encore avoir le perf vita. Voilà, donc là, typiquement, je vais mettre deux feux. Bon, on n'a pas le perf, enfin on n'a pas le dofeu qui passe, mais on a le perf vita. Déjà, ça régale. Ça, c'est pas mal du tout, les amis. J'ai oublié de prendre mes runes de signature. Je vais vraiment rien le signer sur la transe derrière. On verra ça plus tard. Il faut que j'over maintenant. Il faut que j'over. Yes, moins 10. Je récupère au dommage feu. Tac. Là, tu as une petite rune, je vais vérifier que c'est. Là, c'est le moment, faut pas faire le con. Ok, la petite rune force. Qui ne passe pas. Alors, j'ai très envie, il me reste combien? 61. On va commencer par le soin. Easy. Je pourrais sécuriser le dommage R, mais je vais faire. En fait, j'aimerais bien pouvoir faire Raage, ensuite dommage R et tente à sagesse. Oh putain. Il reste deux temps. J'aurais peut-être même dû faire une de moins, parce que là, si le dommage. Putain, le dommage R passe pas. Putain, ça me met au fond. J'ai pas compté un soin de trop. Ouais, bon, les go crit du chat. Qu'est-ce que j'ai foutu avec mon. Avec mon moins 30 là? Ah oui, vous voyez pas l'histo en plus, merde. Bon, je prends 2 secondes pour réfléchir et je reprends. Bon, bah j'ai 1,5 depuis. Je suis
suis dépité. Je pensais vraiment pouvoir passer une rage et pouvoir faire Do-R et Tenta Sagesse. J'aurais dû mettre le Do-R pour sécuriser, c'était une connerie. J'avais le free Do-R là, j'avais largement de quoi le tenter, après j'aurais pu dire bah je tente ce qui me reste pour Overagi. Ça me fait chier. On va en faire une Tenta Age. Voilà. Bah super, j'ai int. Bah, faudra en briser un autre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faudra en briser un autre. Après, bon, je peux me rassurer en me disant que sur les. J'ai dû faire une centaine de colis sur la méta actuelle, j'ai tapé 0 fois avec un sort R, mais quand même. Quand même, c'est juste. Ça fait chier de ouf. Bon, bah, je me suis auto-déçu. Je me suis vraiment auto-déçu. J'espère quand même que le brisage vous aura plu. Bah, je pense que du coup, on en brisera d'autres pour essayer de tryhard le full pair. Bon, de toute façon, on avait le 38 de sagesse, on était un peu baisé de base, mais bon, quand même, ça fait chier. J'ai vraiment pas eu de chance sur la rage, mais j'ai fait une erreur, j'aurais dû doer. Après, je me suis dit, ça peut être compliqué quand même si je me retrouve avec des exos alors que je veux trans en full perf et que j'ai plus de runes pour le baisser. Parce que si la rage était passée et que je la baissais, dommage R, rune sagesse, après, bah, j'avais pas d'over donc je pouvais trans quand je voulais en fait. Mais bon, c'était quand même, je pense quand même que c'était un mauvais choix que j'aurais dû mettre le doer en premier. My bad. Voilà, écoutez, j'espère quand même que ce brisage vous aura plu. Le jet est quand même bon, beaucoup plus jet qu'à peu près n'importe quoi qu'on croise en HDV et compagnie, mais il y avait moyen d'avoir le Do-R en plus et c'est 100% ma faute. Voilà, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.